Bonjour. Aujourd'hui, on va cuisiner un gâteau super super moelleux. Très moelleux. Vous avez jamais goûté si bon gâteau. C'est un gâteau forêt noire. J'ai une recette déjà forêt noire, mais c'est une recette. Celui-là, il est trop trop bon. Très tendre, très moelleux. Il fond dans la bouche. Très fondant. Vous allez adorer. Regardez quels ingrédients on a besoin. S'abonner à ma chaîne, mettez des likes. Écrivez en bas quel gâteau vous aimez. Si c'est un biscuit au chocolat ou biscuit simple. Quelle crème vous mettez. On va partager les recettes. Forêt noire, on a besoin. La farine, 250 g. 300 ml de lait. 250 g de sucre. 70 g de l'huile sans odeur. Un sachet de vanille. La moitié de sachet de levure chimique, un peu de sel, une cuillère à café de bicarbonate, 4 œufs, 50 g de cacao en poudre. Pour notre crème, on a besoin de crème liquide 30%. Si vous prenez pas 30%, ça ne monte pas la crème. Et avec mascarpone. Et pour notre gâteau, pour la finition, on a besoin un peu de chocolat râpé, des cerises comme ça. Ou des cerises dans le bocal que vous trouvez, et un sirop. Le sirop, je ne prépare pas. Le sirop, je prends déjà prêt, je mélange avec un peu d'eau. Et c'est pour badigeonner notre biscuit. Cerises confites, vous pouvez trouver au magasin. On mélange nos produits secs d'abord. La farine, le cacao, le sel, le sucre et les sachets de levure et bicarbonate. On met tout ensemble et on mélange. Je mets la moitié de sachet, un peu de sel et la farine, on va tamiser. Et on rajoute notre bicarbonate. On mélange tout à la main et tous les ingrédients secs sont bien mélangés. On va mettre nos 4 œufs dans notre blender et on va monter très doucement. En augmentant un peu, le volume d'œuf doit monter deux fois minimum et on va rajouter après le sucre, 200 g. On va monter les œufs. Quand les œufs ont commencé à monter, on va rajouter par cuillère à café de sucre, 200 g de sucre, et on monte, le volume doit monter 2-3 fois. Et on fait tout doucement, ça prend 3-4 minutes. J'ai monté mes œufs. Il faut les monter jusqu'à la préparation blanchisse. Et maintenant, avec la petite vitesse, on va continuer à monter nos œufs en rajoutant notre huile et le lait. Le lait doit être chaud, mais pas brûlant. Juste un petit peu chaud, tiède presque. Et c'est tout. Et on va verser par des petites doses et battre un petit peu une minute, mais une vitesse basse.
on prend nos préparations liquides aux œufs et notre préparation sec. Et on mélange tout doucement ensemble. Et un petit peu. Et on mélange tout doucement pour que ça ne tombe pas notre préparation. Pas tout ensemble, mais on mélange tout doucement. S'abonner à ma chaîne, mettez des likes. On mélange tout doucement pour que tous les ingrédients soient bien mélangés. On monte d'en haut, d'en bas, de haut, d'en bas et on mélange tout. On prend un papier sulfurisé et on va mettre monter la, notre forme, comme ça notre gâteau ne va pas sortir. On prend notre moule, on a plié notre papier et on rentre notre papier sulfurisé. Et avec un, ça, on le clip pour que ça ne s'ouvre pas. Il va tenir la forme de notre gâteau. Voilà, on a remonté notre moule. On va verser toute notre préparation dedans et on va mettre au four à cuire. On a mis au four et on cuit 150 degrés 40 à 50 minutes. En sortant de four, et vous vérifiez votre pâte avec un cure-dent. Si ça ressort sec, c'est que la pâte est notre crème. On va verser notre crème liquide, on va rajouter le mascarpone et quand ça monte un peu, on va rajouter le sucre. Voilà, j'ai monté ma crème, c'est une crème pour notre forêt noire et j'ai rajouté peu à peu le sucre. Voilà, marge de noix est cuite, je vais attendre que ça refroidisse, je vais la sortir. Cuisiner des bonnes choses, des bons gâteaux pour boire avec un thé, un café. Votre famille va être très contente pour déguster des bonnes choses. Marge de noix au chocolat est prête. Et après, je vais badigeonner avec un peu de cognac et un peu de sirop. Laissez la génoise bien refroidir pendant 2 heures au minimum. Même on peut laisser pendant une nuit. Comme ça, quand on la découpe, ça ne s'émiette pas. Je prépare un sirop pour badigeonner mon biscuit pour que ça soit très très tendre et moelleux. On verse un peu de sirop, mélange avec de l'eau et on rajoute un peu de cognac. Voilà mon sirop pour badigeonner notre génoise. Préparer la crème en deux, la moitié c'est pour badigeonner notre génoise. Et la moitié, on va mettre décoration en haut avec une étoile comme ça sur notre forêt noire, la tarte. Je badigeonne ma génoise, qu'elle soit moelleuse. Je lui rajoute un peu de notre sirop. On prend notre crème et on étale sur notre première partie de notre génoise. J'ai divisé en deux notre génoise.
étaler notre crème et maintenant on rajoute les cerises. Les cerises sont comme ça. On va distribuer partout. Voilà, chaque part il aura sa cerise. Et en haut, on va rajouter d'autres cerises. Et on va couvrir avec la deuxième côté de la génoise. Maintenant, on va mettre les étoiles sur notre gâteau, décoration. Et on va couvrir un petit peu, râper notre chocolat. J'ai fait mes étoiles à la crème. Maintenant, je vais rajouter en haut du chocolat et les cerises. Mon gâteau forêt noire est devenu joli, féerique et bon appétit à vous. Après une dégustation de si bons gâteaux, vous allez rester toute la journée avec une bonne humeur. Et à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.